La Vogue empierrée du Larzac, mare creusée dans l'argile des régions bocagères ou dans la roche calcaire du Quercy, disséminée à travers nos campagnes et nos forêts, parfois installée au centre des villages ou dans les cours de ferme, les quelques 600 000 mares de notre pays ont longtemps été associées à la vie domestique et aux travaux des champs. Creusée par l'homme pour abreuver le bétail, laver le linge ou lutter contre les incendies, destinée au rouissage du chanvre ou au trempage de l'osier. Beaucoup de mares ont perdu leur utilité première et sont aujourd'hui laissées à l'abandon ou purement et simplement comblées. Près des trois quarts d'entre elles ont ainsi disparu au cours du siècle dernier. Pourtant, les mares constituent des milieux refuges pour la faune et la flore aquatique et accueillent de nombreuses espèces rares et menacées. Par leur capacité à recueillir les eaux de ruissellement, à écréter les crues, à limiter l'érosion des terres agricoles, elles contribuent également à une meilleure gestion de la ressource en eau. Mais de surface restreinte et très dispersée, oubliée des documents d'urbanisme et des plans d'aménagement du territoire, sujette à des assèchements saisonniers facilement comblés, les mares s'avèrent souvent difficiles à protéger. De nombreuses initiatives au plan local, régional ou national pour la sauvegarde des mares commencent cependant à voir le jour.